Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de votre programme Espace Miné. On ne le dira jamais assez, Espace Miné c'est de lundi à vendredi, 10h-11h52. Comme bien le dire en confrère, Espace Miné c'est le grand hôpital. Pour vous qui avez des problèmes, pour vous qui êtes chargés, une seule destination, Espace Miné, et nous vous redonnerons du réconfort. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Ce matin, nous vous donnons l'information, rien que l'information, mais une information en toute convivialité. Dans quelques minutes, nous allons accueillir la très étincelante Claudia et qui nous amènera en kiosque. On marquera également un arrêt pour la dénonciation du jour. On finira, si vous le voulez bien, par l'instant de l'analyse. Et ce matin, nous voulons parler du respect des droits des Camerounais ce matin. Une interrogation, est-ce un leurre? Quel regard posez-vous sur le respect des droits humains et surtout le respect des droits des Camerounais? Ce respect-là a-t-il droit de citer depuis un certain temps dans notre République? On en parlera justement dans ce programme. Toujours dans ce programme, on vous donnera les dernières informations de la semaine de l'excellence et entrepreneuriale du côté de la Mofouya Konan, une semaine qui a débuté hier par une marche sportive du côté de l'esplanade de la mairie de Mbankoumou. Ce matin, nous vous donnerons également d'autres informations concernant ce grand événement qui est organisé par la coordination des jeunes et élites de la Mofou et à Konan. Votre fidélité continuera à nous honorer. J'ai donné Teddy, c'est bonjour. Bonjour parfait ici, bonjour à vos milliards de spectateurs, bonjour aux copanélistes. C'est un plaisir d'honorer votre invitation ce matin. Comment vous allez? Je me porte beaucoup plus mieux que le Cameroun. Mmh, ah bon? Oui, je me porte beaucoup plus mieux que le Cameroun parce qu'au moins, tous les matins, quand je me rase la barbe, je me vois président. Je me vois en train d'apporter la solution par rapport à la situation de l'hôpital. Président de quoi? De la République. Ah d'accord. Parce qu'il y a également les présidents d'associations. Hein. Je me vois président de la République parce que je voudrais apporter des solutions à l'hôpital. L'hôpital, ce n'est pas seulement le malade. Mmh. Il y a le garde malade. Il y a tout un dispositif logistique qui doit se mettre autour de l'hôpital, à commencer par les techniciens qui sont censés dépanner les différents appareils. Du coup, voir le garde malade qui dort au sol sur des pagnes, c'est pas trop élégant. Il faudra apporter une solution à ça. Merci Dieudonné Tédissé. Je rappelle que vous êtes un homme de droit, vous êtes juriste, mais également homme politique. En face de vous, nous accueillons Rodrigue Adalbert Evina, qui est un confrère. Rodrigue, bonjour. Bonjour, parfait ici. J'ai voulu dire bonjour, monsieur le directeur général du Grand Hôpital du Cameroun. J'ai nommé Espace Miné. Voilà, l'espace miné est en même temps, pour ceux qui s'intéressent au mysticisme, on peut dire un lac mystique dans lequel on se lave, on laisse des énergies, hein, on se débarrasse des énergies les plus négatives. On se purifie. Donc, on se purifie. Espace miné, justement, c'est cet hôpital-là, avec tous les spécialistes, voilà, selon des ordres que l'on peut reconnaître à la médecine, des dentistes, des ophtalmologues, et que sais-je encore, jusqu'aux chirurgiens. Donc, j'aime beaucoup plus les gynécologues. Hein. Les gynécologues. Les gynécologues. Oui, donc, particulièrement. Moi, je voudrais profiter de cette tribune, de cet hôpital-ci, pour appeler à ce qu'un autre hôpital soit sauvé. J'insiste là-dessus, parfait, à ici. Il faut que l'hôpital de district de Mfou soit sauvé. J'en appelle à la deuxième fois que vous en parlez. Bien entendu, j'en appelle à l'attention de la République et surtout de la haute République. Quand on parle du département de la Mofou et Afamba, vous savez comment il est immense. Tout à fait. C'est-à-dire l'aéroport Yaoundé Simalène, c'est au niveau, c'est dans le département de la Mofou et Afamba, l'université de Yaoundé deux soit. Mais si vous, je dis, si vous voyez à quoi ressemble cet hôpital, où il y a des problèmes de radiologie, où il y a des problèmes d'échographie, où il y a des problèmes de côte part, où il y a des
pétition signée, en tout cas, et vous ferez cadeau de cette enveloppe que vous voyez. Vous allez parcourir. Parce que je me suis fixé un principe. Je ne parle pas des cas ou des affaires ou des sujets dans lesquels je ne peux faire aucune démonstration. Mieux garder le silence. Parce que je n'aime pas la spéculation. Voyez-vous, nous sommes dans une mission sacrée. Le journaliste ne donne pas juste l'information. Le journaliste est comme ce policier. Tout à fait. Ou ce gendarme qui doit intervenir dans tous les coins où il y a danger. L'hôpital de district d'Unfou. Ça a tout l'air d'une zone. On a l'impression que c'est un territoire à part. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un pays voisin du Cameroun. On ne peut pas avoir l'impression que cet hôpital a été gouverné. Vous voulez dire que l'hôpital est malade? L'hôpital est malade. Il y a un problème. C'est des problèmes de côte part. Mais est-ce que vous savez qu'à l'hôpital d'Unfou, on est-ce a nommé... Est-ce que le personnel se plaint? Le personnel se plaint. Monsieur Parfait, ici, des pétitions là, sont des ici. Documents. Ça, ce sont des correspondants. Monsieur le gouverneur de la région du centre, lui-même qui écrit là, il s'appelle Nasseri Paul Béa. Ouais. Il y a un fonctionnaire, l'ancien régisseur de cet hôpital, qui est à plus de 22 mois sans salaire. Parce qu'il a osé lever la tête. Parce qu'il a osé dire que cette gestion n'est pas une gestion normale. Les fonds publics, c'est pas un terrain de jeu. Est-ce que vous savez que le régisseur a été écarté? L'ancien régisseur, il faut que je le précise, parce qu'on a nommé à nouveau, l'économe a été écarté, mais au profit d'un kidam, d'un individu, en réalité, qui n'a pas de lien avec l'hôpital. Donc, l'hôpital du district de Fou, aujourd'hui, doit être sauvé. Ça veut dire quoi? Soit on laisse le personnel au sein de l'hôpital continuer le travail, on enlève le directeur, soit le directeur reste avec l'hôpital, on enlève le personnel. De toutes les façons, il faut la tranquillité de ce côté-là. C'est une dénonciation. Hein. Je pense que du côté de l'hôpital d'Unfou, on a saisi cette dénonciation. S'il y a des choses à dire, Info TV reste très ouverte. Hein, comme chaîne de télévision. Ah, d'autres documents. Bien entendu. Je dois rappeler que vous en avez une trentaine hein, de documents là. Ça, c'est le gouverneur de la région du centre. Hein, lui-même qui écrit. Qui écrit à monsieur le préfet du département de la Moufoua Famba. Objet, situation administrative et financière du sieur Dibongué et Dimo Achille. C'est le nom de l'ancien régisseur. Régisseur des recettes auprès d'hôpital de district d'Unfou. J'ai également ici un autre document où je vois là. C'est compliqué, hein? Trop de documents. La liste du personnel revendiquant leur quote-part, prime des revenus hospitaliers. Je vois également là un autre document où on parle du collectif du personnel qui écrit à Madame le ministre du contrôle supérieur de l'État. Objet, requête la non-prestation des primes. Quote-part et abus d'autorité. Bon, je préfère m'arrêter à ces niveaux. Hein. Je préfère m'arrêter à ces niveaux. Disons que nous allons continuer à mûrir l'enquête pour que les téléspectateurs soient au courant. Merci Rodrigue Adalbert Evina. Merci Parfait. Oui. Ici, de m'avoir permis de faire entendre les cris de ce personnel-là, parce que dans cette affaire, n'entendez pas la voix de Rodrigue Adalbert Evina. C'est-à-dire ce que je dis là, ce sont les cris de ce personnel qui ne sait plus quoi faire. Donc, nos aînés sont là, ceux qui gèrent le pays. Qui a des relations avec qui? Moi, je ne veux pas revenir sur ces détails-là parce que ça c'est tout un autre chapitre. Très bien. Merci, Rodrigue. Accueillons en face de vous hein, l'homme au timbre vocal tout particulier. On l'appelle le benguiste sur espace miné. Alain Duc, bonjour. Bien, bonjour, Parfait. Bonjour à mes co-discutants. Bonjour aux millions de téléspectateurs fidélisés à ce programme, une entrée au vitriol dans ce programme avec cette dénonciation tout en force de Rodrigue Adalbert pour une émission qui aura comme thématique
principal, les droits de l'homme. Je sens donc qu'on aura un brasier tout à l'heure au moment des échanges. Merci. C'est super. Je profite comme ça aussi pour saluer tous les petits magiciens de l'ombre qu'on ne voit pas pendant que nous sommes là et à qui nous devons d'être reçus partout de par le monde. Merci une nouvelle fois pour l'amitié et l'invite que tu me fais d'être présent sur ton plateau en ce matin. Merci Alain Douc, qui est également journaliste. En face d'Alain Douc, nous accueillons notre consultant. Il s'agit du consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le dit fils de Boumiebel, descendant de Omiobé, lui c'est Pierre Blériot Niemek. Bonjour Pierre Blériot. Bonjour Parfait ici, merci de m'accueillir ce matin. Ce n'est pas une journée très joyeuse pour moi. Vous avez eu un deuil? Non, je me remémore un être très cher qui est parti un 8 août 2008. Il s'appelait Niemek Pierre Blériot. C'était votre grand-père? Mon grand-père est homonyme. Ça fait 16 ans. Et cela ne m'arrive pas souvent. Mais aujourd'hui, j'ai senti une sensation particulière. Il est venu vous parler? Non, non, je ne parle. Moi, c'est vrai, ça va choquer les autres Africains. Je ne parle pas avec les morts. Ah bon? Non, je laisse les morts se reposer. Et pourtant, on dit que certains grands initiés ont la faculté de causer avec les morts. Oui, je connais la technique, mais elle est dangereuse. Ça veut dire que ton Dieu peut mourir? Non, non, tu ne vas pas mourir. Mais en fait, le contact, c'est dans le livre de Samuel. Le contact avec les morts peut vous apporter certaines informations utiles. Mais c'est un contact dangereux. Et en quoi est-ce qu'il est dangereux? Non, ceux qui ont traversé, il faut les laisser de l'autre côté, de la barrière. Nous sommes encore de ce côté. Il ne faut pas leur donner l'impression qu'ils doivent vivre dans les deux mondes. Nous les rejoindrons le moment venu. Donc, j'irai le rejoindre le moment venu. Pour le moment, il est là-bas. Moi, alors, et pour ceux qui vont souvent parler sur les tombes, vous êtes également contre? C'est des croyances. Il faut faire la limite de ce qu'on appelle la nécromancie. En fait, je suis d'éducation chrétienne, très profonde. Donc, dans ces croyances-là, il est possible que quelqu'un d'autre revête le corps de vos prétendus morts. Et ainsi, au début, vous rendez des services afin de vous soumettre à un autre joug, qu'on appelle un joug étranger. Je ne peux pas me débiner de la foi dans laquelle j'ai été initié, vous voyez. Il faut laisser les morts dans leur milieu. Le Hadès, c'est comme ça que les Grecs appellent ça. En tout cas, les Juifs appelaient ça le Sheol. On en reparlera. Il faut les laisser dans le Sheol. Parce que il faut en reparler, c'est un sujet particulièrement important. On m'a convaincu que lorsque vous avez, par exemple, d'énormes difficultés, vous avez des problèmes, il y a les gens qui vous en veulent, ils veulent finir avec le sac de modérateur, il y a les coups bas, les gens passent le temps à raconter des cochonneries, on décide que non, on doit te manger comme une chèvre, on ne sait pas dans quelle sauce. Quelqu'un me dit, parfait, si tu as eu des bons rapports avec tes ancêtres, va leur parler sur leur tombe et ils te viendront en aide. Blériot, j'ai expérimenté ça une fois et j'ai vu que ça a marché. Je me suis réveillé un bon matin vers 5h30 et j'ai fait un rêve bizarre. Au moment où je fais le rêve bizarre, quelqu'un qui m'est également très proche m'appelle pour me dire qu'on vient aussi l'appeler pour des choses toujours bizarres concernant. Je suis au village, il est 5h30. Et on m'a souvent dit que les rêves que nous faisons à 16h là sont très compliqués. Parfait, vous auriez pu observer que je dis que c'est des croyances. Je n'ai pas condamné. Je parle de celles auxquelles j'ai été initié. Vous comprenez? Adalbert, je ne sais pas, il a dit que c'est un débat important. Tout à fait. Ce ne sera pas un duel à la Onangini et au Bokanyi. Mais je suis tout à fait disposé à en débattre avec qui que ce soit sur la question des morts. Oui. Que deviennent les morts après cette vie-ci? Et quels sont les rapports que nous pouvons ou devons entretenir avec ces derniers?
Ça rend débat très intéressant. Alain Douk demande de dire aussi à être sur le plateau le jour où on va en débattre. Bon, ben, choisissez donc sur espace miné. Et là, je vais aussi chercher un prêtre, un homme pasteur, bref, un homme d'église. Donc, je retiens déjà Pierre Fleuriot, je retiens Rodrigue. On va étudier le cas d'Alain Douk. On va aussi chercher un homme qu'on appelle vigant, un homme de Dieu. Il faudrait avoir un traditionnaliste. Est-ce qu'il faut. Oui, et même un traditionnaliste. Mmh. Est-ce qu'on devrait communiquer avec les morts? Non. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Voilà. Le débat est lancé. Nous allons constituer le panel. D'accord. Merci Pierre Blériot, mais je vous repasse quand même la parole à Pierre Blériot. Oui. Cette fois-ci pour nous donner la sagesse matinale. Le temps, dans son jugement, n'a pas besoin de nos coups de main. Il remet chaque chose à sa place et dans le temps. On peut reprendre. Le temps, dans son jugement, n'a pas besoin de nos coups de main. Il remet chaque chose à sa place et dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire parfait que le temps, c'est remettre les choses dans l'ordre et à leur place. Vous entendrez les gens dire que le temps est le véritable tribunal de l'histoire. C'est une citation d'un évêque camerounais. Je pense qu'il était temps de le dire, hein, parce qu'il y en a qui ont pris cette affaire-là et ils ont commencé à dire que c'est eux qui étaient les auteurs de la fameuse citation. Non, c'était un évêque de regrettée mémoire. Bon, c'était lui qui avait dit que le temps était le véritable tribunal de l'histoire. Et c'était dans un contexte bien particulier. Moi, je suis un homme de culture et puis je suis un intellectuel honnête. Ouais. Voilà. Tout donc, à fait. Il faut pas. Les citations du jour que je donne ici sont dans 90% des cas forgés par moi-même. Et lorsque ce n'est pas le cas, je cite l'auteur. Donc, il n'est pas impossible, si on fait bien travailler sa mémoire, de générer des citations, des sagesses. Ça, c'est un dogme qui, harcelé par le feu président Ahidjo, avait fait savoir à Ahidjo que le temps était le véritable tribunal de l'histoire. Et il venait d'assister à une parodie de justice. Et sortir du tribunal, il a annoncé cela. Oui, et que puis, le temps est le véritable tribunal de l'histoire. C'était Monseigneur Ndormo, c'est lui qui l'a dit. Et donc, ceux qui ont vu la suite, effectivement, on ne peut pas dire que Ndormo n'a pas eu raison sur le feu président Ahidjo. Merci Pierre Blériot. Le panel a été constitué. Les sujets ont été proposés. À tout de suite pour la suite. Bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Minier qui nous regardent ce jeudi. Bonjour également à tes panélistes. Particulièrement séduisante ce matin. Merci. Tu aimes bien ça. Okay. Tu es tellement jaloux. Je ne sais pas ce qui t'arrive. Tu es tellement jaloux. Jaloux de quoi, de une fois qu'on me dit que je suis jolie, je suis belle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Toi, de est-ce qu'on t'a dit que les garçons... Et je te rappelle qu'il y a mon crush sur ce plateau. Est-ce qu'on t'a dit que les vrais garçons veulent être... Bonjour Alain Doux. Bonjour. Bien, bonjour. Est-ce que tu peux me défendre au moins quand je te crains, tonton Blériot. Oh là là. Tu vas voir Alain Doux les yeux à la danse des cailloux. Tu vas me suivre. Tu la vois à la danse des cailloux. Je dis en direct, entre Alain Doux et moi, c'est terminé. D'accord. Si tu vas me défendre, vraiment, ça va. Déclaration de séparation. Oui, en sérieux. Alain Doux, c'est ce qu'on appelle en science politique le rapport de force. Voilà. Il n'y a aucun rapport de force. D'accord, on va la voir comme ça.
De toutes les façons, la petite Claudia nous a retrouvés sur ce plateau. Elle nous amène, comme d'habitude, au niveau des kiosques. Claudia, que disent les journaux? Parfait, ici, nous démarrons avec la Commission nationale. Les travaux de deux jours de la 9e session se sont clôturés hier 7 août à Yaoundé au terme des assises. Le professeur Laurent Sergetou Dingo à propos des subventions cycliques et périodiques pour l'enseignement de base privée. C'est la principale information à retenir du quotidien en fin matin ce jeudi. Dans la suite des informations en kiosque, le CRI Hebdo, la météo, nous propose de lire au bas d'une. Tout d'abord, la semaine de la science camerounaise en France, faire de la recherche un outil économique de la souveraineté et de diplomatie. Entre autres, le journal s'intéresse au chèque santé, de la parole à l'acte. Docteur Menaouda Malachi lance la distribution dans le Nozo. Cette actualité fait aussi la une du journal Capital Info qui parle de l'extension chèque santé par le docteur Menaouda Malachi. Les régions anglophones est désormais sous couverture. Même son de cloche avec le quotidien ce matin, santé publique, le Nozo désormais éligible chèque santé, apprend-on dans ce journal. Pour informer juste, informer vrai, le témoin en kiosque nous renseigne ce jeudi que le docteur Menaouda Malachi veille à l'équité des soins de santé sur l'étendue du territoire. Changeons de cap et parlons de la présidence de la République avec le quotidien Réalité Plus qui nous fait savoir ce 8 août que le SGPR est devenu depuis quelques années la fille la plus belle du monde et que tout le monde veut toucher. Vraiment, laissez Ferdinand Gongo bosser en paix, c'est même comment avec vous. Entre-temps, la sécurité transfrontalière et le développement commercial sont au menu de la 9e session de la grande commission mixte de coopération entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. On se parle avec le journal à capitaux publics Cameroun Tribune en page 5. Prenons à présent des nouvelles de l'école nationale supérieure de magistrature. Le billet hebdomadaire Le Point analyse les 5 ans du directeur général Bertrand Soumou Angoula dans la gestion de l'ENAM moribonde. Entre-temps, dans les les vents sont contraires pour Camerco. Pour cause, les pilotes dénoncent une ambiance délétère et un management critique à la Cameroon Airlines Corporation. Le quotidien Mutation d'État à l'actualité en page 7. Le quotidien Le Jour plane aussi dans l'espace avec Camerco. Seulement, les pilotes annoncent une grève à printemps en page 6. L'actualité en kiosque ce jeudi, c'est aussi l'affaire One All Sport. La FECAFOOT met fin à une supercherie. La nouvelle expression nous renseigne davantage en page 3. Voici le messager. Le quotidien s'intéresse au conflit foncier d'une superficie de 937 mètres carrés. L'héritage de pierres scindées, profanées, les échos de cette vive bataille à découvrir en page 2. Sur la route de N'Djamena, le gouvernement tchadien se connecte à la chaire UNESCO d'Afrique centrale. L'info à chaud qui porte l'actualité ce matin est plus précis en page 4. Et puis, Dieudonné et Vumeko fait une mise au point sur le plan Azobé. Il s'exprime ce matin dans l'économie quotidienne en ces mots, je cite, « Nous visons les marchés de Londres et de New York ». Fin de citation, la suite à découvrir bien évidemment en page 3. Et je clôture ma tournée en kiosque ce quatrième jour de la semaine avec Défi Actuel qui projette ce matin un nouvel épisode dans l'affaire Glencore alors que la SNH dit avoir déposé une plainte au tribunal spécial militaire pour débusquer les coupables. Le journal nous apprend que le ministère des Finances a saisi les autorités britanniques et suisses pour valoir les intérêts du Cameroun. En fin de compte, le MINFI et les TCS au crousse des coupables, indique le premier magazine news camerounais. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Claudia. Oui, parfait. Je vous souhaite une très belle journée. Hein. Une journée toute fraîche là. Il fait froid, Yaoundé. Il fait tellement froid. Dans tous les cas, chers Camerounais, sortez couverts. Et surtout, mettez le préservatif. Il y a un rapport? Bien sûr, on sait que la période aussi, les gens s'accouplent beaucoup plus, on n'a pas envie de se retrouver. Quel est le rapport avec l'eau froide qui a droit de citer maintenant les préservatifs? Parfait, je peux vous rassurer qu'en ce moment, s'il y a 10 Camerounais, 9 sont encore sous la couette. Vous avez fait un sondage? On peut être sous la couette pour dormir. Bien sûr, pour dormir, bien pour faire autre chose. Dans tous les cas, je n'en dirai pas plus. Claudia, je vais préférer te laisser. D'accord. À demain 10h, alors, bonne suite d'émission. À demain 10h, Claudia. À tout de suite pour la suite.
la dénonciation. Nous allons encore être de tout cœur avec la famille du colonel à la retraite Titus Ebogo, et le programme de ses obsèques est déjà connu. On retient que du lundi 5 au mercredi 7 août, nous assistions tout simplement à un recueillement tous les soirs à son domicile du côté de Mingan. Jeudi 8 août 2024, c'est-à-dire ce jour, on aura droit à une grande veillée jusqu'à l'aube. Vendredi 9 août 2024, c'est-à-dire demain, de 9h à 13h, ce seront les cérémonies traditionnelles. 13h, 14h, témoignages. 14h, 15h, culte, inhumation. Et à 15h30, on aura droit à une collation. Voilà donc la célébration de la vie du patriarche au colonel à la retraite qui justement a débuté il y a quelques jours. Donc le colonel patriarche à la retraite sera donc bel et bien inhumé ce vendredi, c'est-à-dire demain 9 août du côté de Mingan. Il s'agit justement de cette terre qui se refermera sur lui, cette terre pourtant qu'il a vu naître. Info TV restera justement au cœur de ce grand événement. On passe la parole à Pierre Blériot Niemek, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Parfait, ici nous dénonçons la situation d'un jeune homme qui est dans un trouble indescriptible. Il est rentré dans les réseaux sociaux et a vu une annonce d'une société qui diffère dans des prêts d'argent. Pour une durée de 3 mois. On vous prête de l'argent pour une durée de 3 mois et vous remboursez avec des intérêts qui sont signalés. Par exemple, on vous prête 120 000 et après 3 mois, vous remboursez 150 000. Alors, les plafonds vont jusqu'à, je crois, 150 000. Ça démarre à 20 000 jusqu'à 150 000. Quelque chose comme ça. Ce jeune homme, faut-il le dire sans jugement, a eu la gourmandise de faire 10 prêts. Sur 10 plateformes. Sur 10 plateformes. Une fois qu'il a fait les prêts, il a reçu un message sur chaque plateforme qui lui disait qu'il venait d'emprunter 100 000 et qu'il avait 7 jours pour rembourser 220 000. Il ne comprend rien là. Il ne comprenait rien. Il leur a écrit pour dire que non, ben voilà, j'ai lu, quand il rentre sur les anciens messages, la plateforme a fermé les anciens messages. Et non, mais j'ai pris 100 000 pour rembourser 120 000, pas pour rembourser 220 000. On lui dit non, c'est comme ça. Il a essayé, au sixième jour, il recevait déjà des messages pour lui rappeler que la date limite, c'était dans un jour. Il s'est embourbé à nouveau sur une autre plateforme pour prendre de l'argent, tenter de rembourser. La deuxième plateforme a fait pareil. Une fois qu'il a pris 300 000 de ce côté, on lui a dit qu'il avait 600 000 à rembourser sous un mois. C'est là qu'il a senti que sa situation était difficile. Il a porté plainte à la PJ de Yaoundé, à la PJ de Douala, à la direction régionale de la PJ à Douala. Il est venu nous voir. Parce qu'il reçoit plus de 300 appels téléphoniques de personnes différentes tous les jours pour lui rappeler qu'il doit rembourser cet argent. Et que s'il ne le rembourse pas, il est en danger, on va lui faire des choses. Donc il est totalement apeuré. Il est venu nous voir il y a quelques jours. Et nous avons pensé dénoncer déjà pour son cas, mais pour d'autres aussi. Parce que personnellement, je ne sais pas pour ce qu'il en est de vous autres, j'ai souvent vu des messages défiler, près de 120 000, remboursement 150 000. Bon, donc je crois qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui s'intéressent à ce genre de plateforme. Il faudrait peut-être leur dire comment ça fonctionne et comment les gens se retrouvent après dans des situations rocambolesques. Merci Pierre Blériot. Il faut dire que lorsque ce jeune homme est venu rencontrer Pierre Blériot, j'étais là. Donc... nous avons suivi cette histoire ensemble. Je vous assure, le jeune homme est au bord d'une dépression.
Ça peut dire. Parce que c'est pas... Il y a même certains messages où on lui a fait comprendre que une de ces sociétés était basée au Bénin. Et que ça veut dire ce que ça veut dire. Et que s'il pense que c'est une blague, ses jours sont comptés. Et qu'il ne peut pas de toutes les façons les rouler. Je passe donc d'abord la parole à Dieudonné Teddy C. Quel est le regard que vous posez sur cette dénonciation? Parfait. Ici, le regard que je peux poser sur cette dénonciation, c'est de l'inquiétude. Notre société est en mal de repère. Moi-même, j'ai reçu un message il y a 3 ans d'un personnage. C'est presque minuit et 10 minutes, me disant qu'il a un conseiller spirituel, que j'ai fait le lien. Et je lui ai demandé, est-ce que vous me connaissez, m'a donné le détail de ta personne, de ma personne. Et je lui ai dit, bon, je vous reviens. Quand je suis allé sur le lien, j'ai constaté beaucoup d'images bizarres. Et je lui ai écrit sur WhatsApp pour lui dire que sache que je suis prince et que je n'ai pas besoin de vos histoires-là pour être à la position que je dois être. Je le dis avec beaucoup de sérieux, certainement ce monsieur m'écoute, parce que quand j'ai regardé la plateforme, il échangeait avec beaucoup de présents dans la République. Ce n'était pas des trucs qu'on a collé les images, parce que j'ai recoupé. Et donc du coup, vous savez, notre jeunesse est en mal de repère. Le mal-être, l'éducation de 25 ans où on passe le temps à fréquenter sans trouver des emplois. Il faut savoir être patient. Il faut savoir être patient. Il y a des vendeurs d'illusions. Ils sont nombreux au Cameroun. La situation de précarité dans laquelle on se retrouve amène des gens à faire beaucoup de choses. On ne va pas jeter l'opprobre sur certaines tribus ici. Il y a des gens qui peuvent devenir riches en l'espace de 3-4 mois. Le lendemain, c'est un accident foudroyant qui le retrouve. C'est de l'argent qu'ils peuvent... Ou alors la boutique prend feu. Ou la boutique prend feu. Donc du coup, c'est le travail qui paye. C'est le travail qui paye. Le Cameroun a suffisamment de terres, le Cameroun a suffisamment de moyens. Et vous savez, l'enfant peut jouer avec les seins de sa mère. Mais jamais avec les parties intimes de son papa. Ça, merci parfait. L'enfant peut jouer avec les seins de sa mère, mais jamais avec les parties intimes de son papa. Et sachez que quand vous vous engagez... Dans les testicules. Oui, je suis plus doux, je suis président. Non, c'est le proverbe. Il ne faut pas dénaturer le proverbe. Je ne voudrais pas que... C'est un petit président de la République, donc. Mais il ne veut pas parler comme nous. Mais c'est la science, non? C'est une partie du corps. Et donc, parfait, sincèrement, on blague, mais c'est très curieux et sérieux. Et donc, du coup, il faut éviter de jouer avec le feu. Quand vous prenez l'initiative d'aller vous engager dans des ordres que vous ne maîtrisez pas, nos traditions, je passe au contrôle du bureau ici, nos traditions ont tellement de côtes et de forces qu'on n'a pas besoin d'aller faire la prostitution dans des organisations qui n'ont rien à voir avec notre culture. Dans des cercles bizarres. Qui n'ont rien à voir avec notre culture. Et donc, celui-là, malheureusement, c'est arrivé. La PJ et autres, là, ça ne sert à rien parce que l'enfant ne porte pas le soutien. Ça, c'est un problème à bouter. L'enfant ne porte pas le soutien. Si vous voyez une femme avec les seins, c'est qu'elle est déjà majeure. Et donc, du coup, il est majeur, il a signé ses contrats. C'est pas ce que disait le contrat. Non, attendez. Berio, derrière chaque leurre se cache quelque chose de plus élevé. Il a signé ses contrats et il faut qu'il prenne la peine de les rompre de façon illégale, mais fermement, sans céder au chantage de toutes ces organisations béninoises. Parce que tous les jours, vous recevez des gens dans vos inbox qui vous disent qu'ils veulent devenir visibles sur la toile, ils veulent avoir votre contact. Très bien. Donc, c'est pas bon. Un enfant ne porte pas le soutien. Si vous voyez déjà, un enfant porte le soutien. C'est une femme. Ça veut dire que c'est bien une femme. Tout comme il n'y a pas de vierge à la maternité. Hein. Ouais. Les gynécologues connaissent un peu mieux ça. À la maternité, une chose est certaine, il n'y a pas de vierge. Ce sont des proverbes bantous. Parfois, les bantous étaient violents.
Rodrigue Adalbert Evina, un enfant est dans tous ses états, bon, un jeune homme est dans tous ses états. Il s'est fait visiblement arnaquer, mais maintenant, le garçon ne sait plus à quel sens se vouer. Il a essayé de porter plainte, il est venu nous voir. Il n'a pas cet argent à rembourser en un laps de temps. C'est parce qu'il avait lu sur ses plateformes au niveau des réseaux sociaux. Donc, il ne sait plus quoi faire. Parfait, ici, mon premier regard, c'est en guise de conseil. Il faut faire attention à tout ce qui est virtuel. Tout à fait. Voyez-vous, vous êtes sur Facebook, vous avez 4000 amis, 4500, 5000. Pour peu que vous avez des... Le seul ami que vous pouvez voir, c'est peut-être un blaireau parce que vous êtes avec lui. Alors que vous avez 4500. Alors que vous avez 4500 amis. Followers. Donc, followers. Vraiment, Facebook est un monde à part. Mais sauf que c'est un monde qui est connecté au nôtre. Ça veut dire que même sur le plan mystico-spirituel, ceux qui s'intéressent beaucoup aux pratiques, qui ne vivent que des pratiques, qui ne vivent que des énergies des autres à travers ces pratiques, ceux-là en fait qui sont à la recherche des proies, des victimes, passent également par Facebook. Bien entendu, pour atteindre leurs objectifs. Parce que quand j'écoute le récit, il ne s'agit pas d'un contrat régulièrement signé entre des personnes qui se sont rencontrées physiquement et qui se sont vraiment entendues sur les clauses du contrat en question. Mais maintenant, dans l'axe du mal, les discours qui se tiennent là-bas ne sont pas des discours qui sont complets. C'est-à-dire que la première partie du discours vous présente ce que vous recherchez. Mais maintenant, ce qui se cache derrière le discours ou derrière la promesse, c'est forcément ce qui doit t'attrister à vie ou alors qui doit anticiper ton départ de ce monde. Alors, lorsque vous obtenez un prêt, virtuellement, j'ai souvent vu ces folies où les gens organisent une cotisation virtuelle. Ça veut dire qu'on me demande à moi, Evina, d'envoyer mon agent un numéro que tel va bouffer d'abord. Après, il va bouffer à mon tour mon agent. Quelqu'un que je n'ai jamais vu quelque part. Nous sommes en cotisation. On dit que c'est pour acheter des plats, des marmites et tout ça. On ne s'est jamais vu. Et puis je vais... Vous trouvez ça très amusant. je trouve que les gens plaisantent mal. Bon, voilà donc un jeune homme qui, peut-être en voulant construire sa vie, on ne sait pas, soit dans la patience ou la rapidité. En même temps quand même, je vous relance, Rodrigue. Est-ce qu'on ne peut pas aussi soupçonner en ce jeune homme un esprit comme aussi de gourmandise? Parce qu'il a emprunter de l'argent sur 10 plateformes. Là-bas, 50 000, là-bas, 100 000, j'en viens. Là-bas, 80 000, et ainsi de suite. Parfait, ici, lui, c'est le cas d'un prêt. Il y en a qui sont allés chercher des porte-monnaies magiques. Tout à fait. Vous savez que ce phénomène-là, existait il n'y a pas plus longtemps. Beaucoup sont on en parlait depuis quelques mois. On avait vu à la poste centrale ici un enfant en train de courir en plein poste central dit qu'il est poursuivi. Ça veut dire que nous, on se lève très tôt le matin pour aller travailler et gagner de l'argent. Et puis un monsieur se fait un porte-monnaie qui lui produit un argent qui n'a pas travaillé. Tous les matins, vous aurez 500 000. Vous aurez 500 000. Et vous les avez. C'est-à-dire que nous travaillons peut-être parce qu'on est un peu trop mouche. Ou alors la nature ne nous aime pas. C'est pour dire que non. La jeunesse, notre génération, manque de patience. Beaucoup de nos jeunes veulent aller tellement vite que ils ne voient même pas des conséquences. Moi, je connais un papa qui m'avait présenté une très belle villa. Mais il me dit, monsieur Evina, ça m'a pris 15 ans. Pour la construire. Pour la construire. Mais vous êtes un bébé qui
qui n'est même pas à 8 heures du matin, s'agissant de son parcours, mais veut à 7 heures réaliser ce que des gens ont passé le temps à réaliser pendant des décennies. Mais c'est un peu ça le problème. Je ne vais pas revenir ici sur ces cotisations virtuelles des emplois et autres pour l'aider, parce que moi je pense que c'est une affaire spirituelle. Parce que quand il reçoit des messages et autres, bon, qu'il ne s'attende pas à se faire traquer physiquement. Il n'y a pas un groupe là qui viendra lui régler des comptes. Là où il est là, ce n'est pas une histoire de la PJ. Il n'y a pas un seul OPJ initié qui peut faire cette affaire-là. C'est un peu comme si vous avez des problèmes de blocage, des problèmes de repas nocturne et de couches de nuit, et puis vous partez à l'hôpital central pour qu'on règle ça. Non. Là où il est là, il faut automatiquement qu'il rencontre des personnes qui s'occupent des affaires, pas simplement spirituelles, même du mysticisme. Parce qu'il s'agit de ça. Vous avez indiqué le pays. Ce n'est pas des gens qui plaisantent. Ouais, un tout petit peu. Sérieux. Si on continue là dans les discours, il est très fort probable qu'on assiste tristement à sa famille. Donc il est urgent, mais alors très urgent, voyez-vous, qu'il rencontre pas des gens qui badinent, mais des personnes qui peuvent opposer une véritable riposte à ces menaces. Mais maintenant qu'ils retiennent aussi que vraiment le virtuel est dangereux, et en plus c'est pas comme ça là que on évolue dans la vie pour se faire des moyens, pour se faire un peu d'argent. Merci Rodrigue, Adalbert et Gina. Rodrigue nous fait comprendre que quand on te parle du Bénin, dans ce domaine-là, ce ne sont pas des gens qui plaisantent. Ce ne sont pas des enfants de cœur. Alors, Alain Douk, le garçon est à la recherche d'une solution. Je dois dire que c'est un jeune homme. Il a la trentaine. Je ne sais même pas s'il a 30 ans. C'est un jeune homme. Il travaille du côté de Douala. Alors, on a condamné le phénomène, on a fait ci, on a fait ça, mais je voudrais que nous puissions nous appesantir un peu plus à la recherche des solutions. Parce que lui, ce garçon, il doit nous suivre ce matin, et il ne dort plus, il est au bord d'une dépression, ainsi de suite. Bien, puisqu'il y a quand même un certain audimat qui nous suit et qui va comprendre la mécanique du phénomène que nous sommes en train de vivre, on ne va pas une fois transiter comme ça dans les solutions sans que les gens comprennent exactement de quoi il est question. Alors, depuis 2021, comme ça, nous sommes passés sur le plan astrologique et spirituel, en tout cas occulte, à une autre ère. Après l'ère du poisson, nous sommes entrés à l'ère du Verseau. Cette ère du Verseau, en réalité, c'est une ère de grande révélation satanique. C'est-à-dire que c'est une ère d'émancipation satanique. Pourquoi ? Parce que vous savez bien que quelque part dans la Bible, par exemple, il est écrit que Satan est le véritable dieu de ce monde, le prince de ce monde. Alors, il doit asseoir son autorité et son influence. Vous allez remarquer que ce qui se passe dans cette histoire s'est passé en ligne. Si je m'en tiens à ce que Virgo nous dit. Tout à fait. Et la cybernétique, justement, c'est un des chevaux de Troie. C'est un des chevaux de Troie, je vais dire. C'est une des passerelles, c'est un des médiums utilisés par la gouvernance satanique pour atteindre et réaliser ses fins. Vous savez, le mot en lui-même, cybernétique, vient de Kubernetike, qui a la même racine en réalité, qui a permis d'obtenir le mot gouvernement. Donc du coup, la gouvernance, le gouvernement satanique instrumentalise la cybernétique. Ce n'est pas pour rien que lorsque vous êtes sur Internet, vous avez le www, et W dans la translittération en araméen correspond à la lettre Vav, dont l'équivalent numérique c'est 6. Donc, lorsqu'on a WWW, on a 666. Donc, pour ceux qui ont de bonnes connaissances en données bibliques, ils savent ici que 666, on l'identifie dans la Bible comme étant la marque de la bête. Alors ces gens... Ne passez pas vite. Oui. Parce que vous êtes en train de nous effrayer, là. Vous dites que lorsque nous tapons là sur l'ordinateur, 3W, oui. Vous avez dit en araméen. Oui. Ça correspond à la lettre VAB, le W. Et qui veut dire 6. 6. Ça veut dire que l'équivalent numérique. 6. Oui. C'est 6. Et c'est le chiffre de la bête. Exactement. Donc, faut pas croire que dans cette vie, nous sommes dans un monde manichéen,
Et ne pensez pas que les choses que nous faisons sont forcément innocentes. Nous sommes effectivement dans un grand conflit cosmique, comme on veut bien l'appeler. C'est-à-dire qu'il y a une confrontation permanente depuis la création de ce monde entre les forces du bien et du mal. Et les forces du mal veulent véritablement s'imposer et prendre le contrôle de tout, asseoir leur hégémonie sur l'humanité, sur la création. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, comme je disais, ils instrumentalisent donc la cybernétique pour arriver à leur fin. Vous avez remarqué qu'il y a eu une ruse. Il y a eu un premier contrat. Ils ne l'ont pas respecté. Vous ne pouvez pas venir, vous dites que non, l'échéancier c'est 3 mois, puis à mi-parcours, vous changez. Ça devient comme ça. Non, c'est une ruse. C'est-à-dire qu'on vous prend au dépourvu. Oui. Lui, et vous savez, pour ceux qui sont connectés parce que vous avez pris leur argent. Ceux qui ont une bonne connaissance biblique se rappellent que dans le discours génésiaque de la chute, appelé comme ça, on se rappelle que Ève succombe justement au travers d'une ruse. C'est-à-dire qu'on ne vient pas, Satan ne vient pas à visage découvert, lui dit, voilà, ou désobéit, non, il ruse. Là, de même, il y a des ondulations. On ruse pour l'avoir, pour le prendre. Et la ruse prospère toujours pour la seule raison que quelque part, on va aller triturer une fibre en vous, une certaine faiblesse. Ici, sa faiblesse, c'est l'argent, tu l'as bien dit. Il a été cupide. Et ils aiment ça. Lorsque vous commencez à produire cette espèce de vibration négative liée à une faiblesse, on va, ces forces dont ces entités vont s'agripper dessus, et on comprend que vous, ça peut le faire avec vous. Et c'est justement ce qui s'est passé. On a rusé, lui étant gourmand, il est tombé. Que doit faire ce jeune homme? Qu'est-ce que doit faire ce jeune homme? Vous savez, dès que tu as fini de condamner, tu as fini de dire qu'il est gourmand et tout ça, enfin alors comment, si il est gourmand, il doit mourir. Non, je n'ai pas seulement dit qu'il est gourmand, j'ai aussi dit qu'on a rusé pour l'avoir, donc on a fait moins de malhonnêteté. C'est ce que ça veut dire. On a compris. Voilà. Les autres là sont malhonnêtes. Oui. On les condamne aussi. Donc du coup, maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, qu'ils s'en remettent à Dieu. Ah ben oui. Et il commence à prier comme ça? Non, pas forcément lui. Lui-même d'abord, déjà. Écoutez, je n'en ai pas terminé. Tu me poses une question et je donne la réponse. Tu es hilar de ce que je dis. C'est pas possible. C'est quand tu dis qu'il faut s'en remettre à Dieu. Je n'ai pas commencé à faire le Notre Père. Non. Qui a dit que le Notre Père d'abord était efficace? À se rendre à ce point. Je veux dire ceci. Je crois qu'il y a un être souverain, qui est un être spirituel qui est suprême et qui a le pouvoir véritablement de venir à bout de ce genre d'entité négative, genre d'influence. Donc, vous pouvez donc aller maintenant vers ceux qui sont de condition spirituelle. Dieu utilise les hommes pour toucher les élevés, hein, par rapport à la sienne, bien sûr, parce qu'il faut justement quelqu'un qui soit de condition supérieure à la sienne pour l'aider. Parce que si lui, justement, il était d'un certain niveau spirituel, il aurait discerné qu'en réalité, cette affaire est dangereuse et ne serait même jamais arrivée à un tel point. C'est compris. Voilà. Pierre Blériot, au Niamey, que la dénonciation donc, de ce matin nous amène à parler de beaucoup de choses à la fois. Il y a un volet spirituel, il y a un volet social, il y a même un volet judiciaire. Alors, quel est le volet qui devra en principe nous intéresser pour que ce jeune homme, qui certainement nous regarde, puisse trouver une solution? L'amour de l'argent est la source de tous les maux. Quand on le dit, les gens s'engoussent, mais il faut faire très attention. Quand on nous éduquait, plus jeune, on nous disait de ne pas ramasser l'argent au sol. Oui. On nous disait beaucoup de choses autour de l'argent. Je ne sais plus ce qu'on dit aux enfants aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vois un monsieur qui garde sa voiture, donne de l'argent à une jeune fille. La jeune fille prend. Elle dit, est-ce que j'en fabrique? Est-ce que j'ai le moule? Alors, vous voyez des gens qui font des trucs sur Internet. Une dame qui dit qu'elle multiplie l'argent. Et il y a des candidats. Parfait, il y a des candidats, ils sont en milliers. Bon, vous êtes des candidats à la mort. Il faut leur dire ça clairement. Vous êtes des candidats à la mort. Vous êtes des morts en sursis. Si vous n'êtes pas encore mort, ça va arriver bientôt. Il n'y a personne qui puisse organiser un truc sur le net pour distribuer l'argent aux gens. Et il faut dire à nos jeunes gens, ce n'est pas comme ça. Personne ne trouve l'argent de cette façon-là. Est-ce que c'est clair?
C'est clair. Donc, désabonnez-vous de ces argents qu'on trouve sur le net. Non. L'idée qui habitait ce jeune homme, quand il causait avec nous, moi je l'ai regardé. Il s'est dit qu'il va prendre l'argent, il va disparaître. Donc, attends, c'est un frappeur. Ah, mais attends. Les gens sont sur le net, ils donnent l'argent. Tu vas me rencontrer où? C'est ce qu'il s'est dit. Mais, ça, ouais. Mais alors, je vois, quand je lui avais posé la question, tu as pris sur 10 plateformes. Et effectivement, il avait pris sur 10 plateformes. Non. Il comptait sur quoi? En fait, il dit, on va le voir où? Au départ, vous vous dites, si ces gens, parce qu'ils avaient une autre technique, ils vous disaient avant d'envoyer de l'argent, ils vont vous renvoyer des sommes plus grandes. Oui. Vous paniquiez. Mm-hmm. Que non, je peux envoyer mon argent, on ne me renvoie pas. Maintenant, ils vous disent que non, vous prenez de l'argent chez nous. Vous remboursez avec des intérêts, bon, déjà que c'est même des intérêts, même exorbitants. Pour, 30 000 sur 120 000 en 3 mois, c'est beaucoup. Mais 100 000, vous me demandez 200. Une banque fait bien moins que ça. Mais non! Vous, on escroque, on tue les gens qui ont l'idée de la cupidité. Vous voyez, une femme va au marché avec ses 10 000. Elle trouve des gens qui sont en train de bousculer les cartes. Elle a déjà ses 10 000. Fika. Que son mari lui a donné. Il s'appelle par exemple Bitié. Il y a Jacques. Il a travaillé à Info. Il lui a donné ses 10 000. Elle s'arrête. Elle veut multiplier l'argent. Est-ce que Bitié t'a envoyé multiplier l'argent? L'argent de demain arrive. Ben, je laisse mon argent les rations pour manger. Tu prends donc les 10 000 et dans ta tête, tu te dis que des gens ont pu se réunir là au marché pour perdre de l'argent. À ton profit. Comment tu te dis ça? Ah ben, tu vois quelqu'un d'autre vient de gagner. Quel vient de gagner? Alors qu'on reçoit des amis. Bon, aujourd'hui, on va me dire, mais toi, tu n'as rien fait de tel. Non, Dieu m'a aimé parce que j'ai subi, étant très jeune, parfait, un jour en Balmayo, j'allais donner l'argent du loyer de ma maman. Je me suis arrêté au centre-ville avec l'argent. Comme si les gens l'avaient l'attirance. On a fait comme ça, tout le monde avait gagné. J'ai fait comme ça. J'ai d'abord gagné 20 000. Après, j'ai tout perdu. Bon, je ne savais pas s'il fallait rentrer à la maison, s'il fallait aller chez le bailleur, lui expliquer ce qui m'était arrivé. De 11h à 19h, je faisais le tour entre à côté de la maison et jusqu'à la maison du bailleur. Ma mère a compris que Niemeyer avait perdu l'argent. Bon, comme j'étais un enfant qui faisait en même temps les études bibliques et autres, quand je suis arrivé, elle m'a dit, ben attends, est-ce que la Bible ne te dit pas que l'amour de l'argent est la source de tous les maux? Moi, j'ai envoyé donner l'argent au bailleur. Elle dit même la Bible, elle proscrit les pronostics. Les pronostics. Mais est-ce que je t'ai dit de multiplier l'argent avant de donner au bailleur? Donc, très jeune, j'ai eu un tel coup, dont je ne peux pas prétendre que moi. Mais je vous assure, sortez de ces choses-là. Maintenant, c'est son âme qu'on recherche. Mmh, ouais. Vous voulez la solution. Bon, moi, je lui ai déjà dit de ne céder à aucune menace, à aucune peur. Je lui ai donné d'autres secrets en offre parce que les Béninois là peuvent aussi nous écouter. Je ne vais pas donner ici les secrets que je lui ai donnés. Mais à ceux qui sont encore sur ces chemins-là, désabonnez-vous. Désactivez toutes les plateformes qui vous parlent d'argent. Voilà. Dès que quelqu'un vous parle d'argent, désactivez. Nous allons lire quelques messages jusque-là enregistrés. Bonjour le panel. Concernant la dénonciation, je propose à ce jeune homme de se tourner vers Jésus, car lui seul peut l'aider. Passez-lui mon contact si possible. Merci. Ok. Mmh. Autre message ce jour. Oh là là. Alors, nous allons finir par avoir ce message. Hein. Parfait, Aïssi, je suis mort de rire avec les propos du monsieur en bonnet. C'est Rodrigue. Autre message ce matin. Parfait, Aïssi, ce gars est dans de sales draps. Ce qu'il vit actuellement, c'est la première étape d'un long processus. La prochaine étape, c'est qu'on va lui faire une proposition indécente du genre...
comme tu ne peux pas payer, fais ceci. S'il n'a pas assez de jugeote, il va entrer dans une secte. Et c'est dommage. Je profite également de votre tribune pour interpeller un collègue du côté de Ban Ki-moon et qui est trempé jusqu'au cou dans ces choses-là. D'accord. Autre message ce jour. Bonjour, le génie perfecto. Parfait, son... Quoi? Souhaite un joyeux anniversaire à ma chérie, Sandrine, depuis Edea, qui a un an de plus aujourd'hui. C'est Landry Chémon. D'accord. Sandrine, joyeux anniversaire, hein, de la part de ton chéri, Landry Chémon. Autre message. Bonjour à toi, le maestro du micro en télévision, et à ton magnifique panel. Ma modeste contribution par rapport à la dénonciation de ce matin, le jeune homme n'a aucun risque à craindre compte tenu des menaces de ces personnes. Ils font tout bonnement de l'usure, qui est un délit au Cameroun, et sachant que certaines personnes peuvent être de mauvaise foi, ils usent de menaces soit judiciaires, soit spirituelles pour inciter leurs débiteurs à rembourser leurs prêts. Aujourd'hui, elles sont légion. Ces applications Play Store, App Store, prêt facile, ok, prêt quoi? Et ce sont nos jeunes ingénieurs qui sont pour la plupart créateurs de ces applications qui, grâce aux revenus dus au téléchargement sur les différentes plateformes, réussissent à faire ce genre d'emprunt à la hauteur d'un million de nos francs, alors qu'ils ne s'inquiètent pas et vit comme toujours. Il ne s'agit nullement de Béninois. C'est Grégory Lobé depuis Daïdo, ingénieur en informatique. Bon, il y a cette explication qui est valable, mais il y a d'autres explications. Quelqu'un vient de vous dire ici qu'on enrégimente des gens de manière à se forcer dans les sectes. Oui, c'est-à-dire finalement te dire souscrit à telle autre chose. Donc toutes les plateformes ne se ressemblent pas. Il ne faut pas faire dans le simplisme. Allons au plus 33, c'est un téléspectateur de la France. Bonjour à vous sur le plateau, très belle analyse de Chief Onyezi et d'Albert Evina. Ce jeune homme est dans le pétrin, mais pas de panique. L'initié Simeon Voman pourra le délivrer. Notre griot. Alors, autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Le temps finit par installer chaque roi sur son trône et chaque clown dans son cirque. C'est l'autre variante de la citation de votre consultant ce matin. C'est bienvenu des Kounou qui envoie cette préoccupation. Bonjour, cher voisin. Tu oublies qu'un de tes grands est mort sociologiquement pour avoir voulu multiplier l'argent du contribuable dont il avait la responsabilité. C'est quel grand? Tu pouvais m'aider avec le nom, on gagnerait en temps. Alors, un autre message. Bonjour, Laurent Allsport de la modération. Bon Allsport de la modération. Non, non. Tu refuses comment? Là, celui-là, je refuse. Comment ça? Non, pas du tout. L'église va te poursuivre. Bonjour, Perfecto. Généralement, ces menaces sont fausses. J'ai une fois été victime, bien que ce n'était pas dans le même contexte, mais il ne doit en aucun cas céder. Moi, je ne fais que dire... Non. Il y a des gens, le pays que vous avez indiqué là. Quand tu as pris son argent, fais attention. Non, il faut qu'il prenne des dispositions. Ne dites pas au gars là de laisser des. Il doit prendre des dispositions. Bonjour, parfait, ici. Bonjour, ici, et toi, Dalvet, parfait. Si ça peut te permettre de passer un bon jeudi, tant mieux. Et à tout ton panel, concernant la dénonciation, que ce monsieur sache tout simplement que c'est son âme qu'il a vendue au diable inconsciemment. La seule façon de se débarrasser de ce problème, c'est d'aller rencontrer un homme spirituel très puissant. Moula, ton nom est déjà dans les archives en plus, ou au Bénin, dont tu sais ce que ça veut dire. Le délai, c'est même quand? Non, le délai est passé. Le délai est bien passé. Il vient. Elle continue en disant, l'argent, tu vois ce que tu fais aux gens. Je parie que le monsieur, dès le départ, avait l'intention de disparaître après avoir pris cet argent. Et c'est ça qui le rattrape, c'est Pancras de Guider. Bonjour à toi, Pancras. Oh, Pancras. Bernardo est parti, hein.
Alors, un autre message. Bonjour, l'Unkuta des modérateurs, le seul modérateur qui va nous rester lorsque les autres vont se retrouver dans la presse écrite. Où en est-on avec One All Sport? Ouais, les autres ont parlé de One All Sport. Nous, on ne parle pas. Pourquoi vous voulez? Les autres ont parlé. Blaireux, moi, non, on ne parle pas de cette affaire. Maintenant, vous nous dites, parlez. Vous nous dites, parlez, parlez. Quand on va encore parler, vous avez... On a dit que quand ton enfant est fou, il ne se déshabille pas encore, tu peux cacher. Le jour où il enlève les habits, le quartier est au courant. Attends, c'est un proverbe en tout. Il y a une autre sagesse du jour. Je ne sais pas. La sagesse, la sagesse. Ah, tu arrêtes ton enfant. Tu... Mais le jour où il enlève les habits, tout le quartier est au courant. Donc on a laissé que l'enfant enlève les habits. Bonjour à tous. Le jeune garçon n'a pas tout dit. Ces applications ont des longs textes qui ne sont pas faciles à parcourir. En principe, il demande au moins 2 contacts des proches pour faire des emprunts. J'y connais bien. Alors, prenons cette dernière préoccupation. Bonjour, Perfecto. Par rapport à la dénonciation, j'ai également reçu des messages bizarres d'un numéro de l'Indonésie qui me demandait de remplir des missions pour avoir de l'argent. Quand je lui dis que je ne suis pas intéressé et de quelle mission il parle, le gars s'est déconnecté. À tout de suite pour la suite. Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho Lovelin, épouse Numbisi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait le milieu de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Stéphane Mununga, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à vos panélistes. Bonjour à tous les internautes et téléspectateurs d'Espace Mini. Lorsque nous accueillons ici tous les jeudis, c'est pour parler de l'Institut universitaire Bissaï. Vous êtes par ailleurs le responsable des affaires académiques de ce côté. Alors, premièrement, Stéphane, parlez-nous de vos formations hein, en cycle licence, plus particulièrement au niveau de la filière de gestion. Oui, c'est important de rappeler et préciser ici à ceux qui nous écoutent que nous avons également un cycle licence qui ouvre pour le compte de la rentrée académique 2024-2025. Et parlant justement de la filière gestion, nous avons plusieurs spécialités. Je pourrais citer ici la gestion des ressources humaines, la gestion logistique et transport, la comptabilité, contrôle et audit, la banque et la finance, et j'en oublie certainement. Et je veux préciser ici que toujours dans ce sillage de la dimension sociale du promoteur, vous allez vous rendre compte que les prix sont véritablement attractifs et véritablement sociaux. C'est pour ça que à l'Institut universitaire Bissaï, par exemple, pour le cycle licence filière gestion, vous allez vous rendre compte que l'inscription c'est 50 000 francs et la pension c'est 380 000 francs CFA. Seulement, malgré l'arsenal qu'on peut retrouver autour de la structure et l'accompagnement qui va avec.
Stéphane, une autre préoccupation, hein, ces étudiants de licence bénéficient-ils des mêmes opportunités que les autres étudiants de l'institut universitaire? Effectivement, ce sont les étudiants de l'institut universitaire Bissaï. Mm. Et il faut rappeler ici que l'institut universitaire Bissaï ne naît pas pour se faire de l'argent. Ça naît d'un besoin, en réalité. Il faut le rappeler ici pour que les gens comprennent. Vous savez que l'Institut universitaire Bissaï appartient à un consortium d'entreprises. Tout à fait. L'Institut universitaire Bissaï naît donc pour résoudre le problème selon lequel parfois on a des diplômés du diplôme. Et c'est aussi en rapport avec la projection du plan de développement du consortium. Ça veut dire que quoi? Nous allons être les premiers utilisateurs des ressources humaines que nous allons former parce que le consortium est appelé à grandir. Ça veut dire que comme pour les BTS où les majors sont directement employés, même pour les licences, les majors... Ils sont directement employés dans les structures du consortium. Du consortium. Renapro Finance SA, je prends un exemple. Donc, dès que vous êtes major, sachez que vous avez déjà un emploi. On vous donne un contrat de travail. C'est vous qui allez refuser. On vous donne un contrat de travail à durée indéterminée. Ça veut dire que vous allez faire votre licence en fréquentant. Dès que vous êtes major, ça veut dire si je fais par exemple banque et finance et qu'à la fin je suis le major de ma promotion en banque et finance, vous êtes recruté à Renapro Finance. Effectivement, si je fais journalisme ou communication, vous êtes recruté à Royal FM. Si je fais sciences infirmières, je suis recruté au complexe hospitalier La Mamu. Il y a beaucoup de structures que j'oublie ici. Donc c'est pour dire que même les licences bénéficient des mêmes avantages parce qu'ils sont les étudiants du consortium Renapro Finance SA. Et aussi, ils peuvent payer par aura académique aussi. On leur donne aussi la possibilité de pouvoir payer leur pension à partir de 1000 francs par jour avec aura académique. Ils bénéficient du même accompagnement, du même cadre et de tout ce que ceux qui font le cycle BTS bénéficient également. Paul Stéphane Manunga, les contacts pour avoir de plus amples informations et probablement pour ceux qui aimeraient déjà aller s'inscrire. Oui, il faut simplement composer le 690 20 37 08. On peut reprendre. 690 20 37 08. Et je veux préciser aussi que vous pouvez envoyer un message WhatsApp parce que le numéro, il est également WhatsApp. Pour ceux qui veulent venir prendre plus d'informations, nous sommes situés à Ekounou 2 Chevaux, oui, juste après la gare présidentielle. À Ekounou 2 Chevaux, juste après la gare présidentielle. Paul Stéphane, mais parfait. Espace Miné vous dit merci. Non, c'est l'Institut Universitaire Bissaï qui dit merci à Espace Miné pour l'opportunité qu'il nous donne de toujours venir communiquer et proposer nos offres de formation. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite. Retour sur ce plateau pour la dernière ligne droite de ce programme. C'est justement cet espace qui est consacré à l'analyse et nous vous l'avons dit en ouverture ce matin, nous voulons parler du respect des droits des Camerounais. Avez-vous l'impression que le respect des droits des individus en République camerounaise, que ce respect-là est vraiment d'actualité? Je commence par Dieudonné Tédissé, vous qui êtes justement juriste. Lorsque nous parlons du respect des droits, il s'agit de quoi? Que mettons-nous dans les droits de manière prioritaire pour un individu? Quand nous parlons des droits, nous parlons de l'ensemble des prérogatives qu'un individu a dans la société.
aujourd'hui, nous avons un droit qui est particulièrement malmené au Cameroun. Lequel? Celui de la capacité à exprimer ses opinions. Voyez-vous, il y a un certain nombre de citoyens qui ont été interpellés pour leurs opinions dans les médias, les réseaux sociaux. Mais je voudrais, sur ce point, puisque vous parlez d'un thème, à savoir, est-ce que la question des droits, est-ce que c'est un leurre au Cameroun? Tout à fait. Il faut qu'un certain civisme puisse revenir, tant du côté de ceux qui dirigent... Avant de parler du civisme, hein, je voudrais d'abord qu'on nous allions de manière crescendo, de manière basique. Oui. Est-ce qu'on peut lister quelques droits fondamentaux d'un être humain et pour le cas justement du Cameroun? On a le droit à la santé. Très bien. Le droit à l'éducation. Oui. Le droit à la liberté d'aller... Et de venir. Et de venir. La liberté d'expression. La liberté d'expression qui, dans le fond, j'espère que la situation s'est considérablement calmée. La liberté d'association. La liberté d'association. La liberté de manifester. Quand on n'est pas d'accord avec une certaine politique. Or, aujourd'hui au Cameroun... Voilà quelques libertés fondamentales. Le droit à la justice. Le droit à la justice. Le droit de saisir la justice et de recevoir... De voir la justice être dite dans les délais. Le droit à l'éducation. Le droit à l'éducation. Le droit à l'accession à un travail décent. Il y a beaucoup de droits comme ça. Alors, lorsque nous listons, disons que nous n'avons pas listé tous les droits, voilà quand même les droits prioritaires. Lorsque nous les listons, et lorsque vous observez le Cameroun, ce pays que dirige le président Paul Biya, vous avez la nette impression que ces droits sont respectés au Cameroun? Au niveau des tests, les tests garantissent ces différents droits. Mais maintenant, dans l'exercice, il se trouve qu'il y a des créatures du créateur qui sont parfois beaucoup plus zélées. Et aujourd'hui au Cameroun, vous avez l'impression que la position administrative de certains responsables leur donne le sentiment de ce qu'ils ont le droit de tout. Je vais vous prendre un cas assez simple. Allons-y. Dans le cadre des manifestations publiques, une fois qu'une déclaration de manifestation publique est faite, vous avez l'impression que les gens se barrent. Il y a un principe qu'on appelle le principe d'ordre public, le trouble à l'ordre public qui est utilisé en fonction de la couleur de l'organisation qui veut engager ces manifestations. On a aussi le droit d'aller et de venir, le droit de vivre chez soi, qui aujourd'hui, malheureusement, souffre parce que dans les régions comme celle du nord-ouest et du sud-ouest, l'extrême, il y a beaucoup de déplacés. Le droit à la sécurité est un droit fondamental de l'homme qui est nécessaire de pouvoir garantir dans un état de droit. Et pour chuter là-dessus parfaito, il y a le droit fondamental qui est celui de faire soumettre l'administration à la justice. Or, à l'évidence, aujourd'hui au Cameroun, beaucoup d'administrations pensent qu'elles sont au-dessus des tests. Vous avez l'examen et le concours où c'est publié parfois par ordre alphabétique. C'est aussi le droit d'avoir accès à un examen en respectant les critères de méritocratie. C'est autant d'éléments qu'on peut évoquer à cet effet. Merci, Djedoné Tédissé. Pierre Blériot Niemek, nous parlons des droits des Camerounais ce matin en nous posant la question de savoir si c'est un leurre ou alors c'en est pas véritablement. Quel est l'état de lieu que vous pouvez faire du respect des droits des Camerounais en 2024? Alors, les droits des citoyens sont respectés au fur et à mesure qu'un État lui-même devient un État de droit. Or, chez nous, nous avons décrété que le Cameroun était un État de droit. C'est-à-dire que tout le monde, quand je vois un jeune mototaximan qu'on arrête, il dit au policier, le Cameroun est un État de droit. Qui lui a... Bon, on a dit ça. Est-ce qu'il a pu vérifier ça? Et j'entends le policier lui dire, le droit c'est moi. Donc, comme tu as dit que le Cameroun est un état de droit, moi je vais te montrer que l'état, c'est le droit, c'est moi. C'est moi le droit. Vous voyez les gars de la mairie, nos communautés, nos policiers, bon, qui ne sont pas encore reconnus par le droit, parce qu'il y a tout un processus qui n'est pas encore arrivé à son terme, mais qui agissent déjà ex qualité.
Mais quand ils font ce qu'ils font là, ils disent aussi que le Cameroun est un état de droit. Quand vous allez dans un hôpital, vous devez être accueilli d'une certaine manière. Vous devez être soigné, parfois ici, même si vous n'avez pas d'argent. Parce que c'est le droit à la santé. Allez-y voir donc. Et ainsi de suite. On a dit que nous avions les enfants pour l'école primaire avaient le droit à l'éducation. Non, rien. Allez-y voir. Non, je crois qu'il y a une entourloupe. Les Camerounais confondent les textes volontairement avec la réalité. Quand vous marchez, vous vous rendez bien compte que nous sommes encore dans une situation assez précaire. Cela signifie qu'on répondait clairement à la question posée, c'est-à-dire c'est un leurre. Bien sûr, il ne faut pas vous adresser, il ne faut pas revendiquer vos droits n'importe comment. Il faut d'abord regarder l'environnement. J'ai dit à un jeune homme dernièrement qui m'appelait au téléphone, il y a trois policiers ici qui sont en train de me taper. Je lui ai dit, mais tu as vu qu'ils étaient trois, toi tu as commencé à parler. Est-ce qu'il y avait des... Tu es au commissariat, tant que ton avocat n'est pas arrivé, ne parle pas avec assurance. Parce que ce qui va... Au couloir, ce qu'on peut... Donc, c'est quand ton avocat est déjà là, que bon, tu sens que quand même, il y a quelqu'un qui va témoigner de ce qui... Non, ça c'est la réalité de ce que nous vivons. C'est-à-dire qu'en dehors de tout ce qu'on fait pour tromper, parce que le problème, ce n'est pas de bien vivre chez nous, c'est de donner l'impression à ceux qui nous évaluent. Il y a des gens qui nous évaluent que nous nous comportons bien. Mais je m'appesantis sur le cas de la police municipale. Ce que je perçois là, c'est de la sauvagerie urbaine. Des gens qui apparaissent en pleine chaussée et attrapent des motos, courent le risque de se faire écraser eux-mêmes. C'est de la sauvagerie. Et tous les 7 mai envoient leurs brigands, comme ça qu'il faut les appeler, puisqu'ils n'ont aucun statut. Ils envoient leurs brigands envahir les routes. Sans droit. Donc aucun Cameroun ne peut agir sans droit. Et je vous prends un dernier exemple. Je suis assis, je vois assis à côté d'une buvette, je vois deux gens arriver, parfois avec des sacs. Ils disent qu'ils sont venus là pour prendre l'OTVP, l'occupation temporaire de la voie publique. Mais j'ai essayé de regarder dans les textes, ça n'existe pas. Mais tout le monde paye. Non, en fait, il y a la loi de 2004 sur l'orientation, reprovisée par celle de 2019, qui prévoit la taxe sur l'occupation temporaire de la voie publique. Mais sauf que... qu'on vient désormais dans les terrains titrés, où quelqu'un a mis sa boutique dans son espace. Est-ce que le Parlement s'est prononcé là-dessus? Il y a une loi qui a été votée dans ce sens. Je vais vous fournir ça. D'accord. Bon, je vois donc ces deux jeunes hommes qui disent qu'ils sont là pour prendre l'OTVP. L'OTVP, c'est sur la véranda de la personne qui avait construit sa boutique. Son titre foncier. Bon, je leur dis, mais l'OTVP, c'est quoi? Et il y a entre la boutique et la route... Une rigole. Parfois, je veux comprendre. Hein. Ils viennent me dire qu'il y a une... Il y a une rigole entre la boutique et la route. Et la boutique se trouve après la rigole. Tout à fait. Donc, c'est quoi la voie publique? Justement, sur ce point particulier, il y a beaucoup d'abus. Mm-hmm. Beaucoup d'abus parce que vous avez même au niveau de Causeway là-bas. Mm-hmm. Causeway, il y a des mamans qui m'ont rencontré. Elles sont sur leur site bien titrées. Mm-hmm. Mais vous ne pouvez pas venir revendiquer l'OTVP dans la propriété de quelqu'un. De toutes les façons, donc, je crois que les droits des Camerounais sont constamment violés et qu'il faudrait que nous évoluions, non pas pour plaire à l'extérieur, mais pour être véritablement un état de droit. Merci. Hein. Alain Douk, selon Pierre Blériot, les droits des Camerounais sont régulièrement violés. Nous avons également souvent eu des rapports de certains organismes internationaux pour ce qui est justement du respect des droits de l'homme au Cameroun. Il me semble que le Cameroun n'est pas parmi les meilleurs élèves. Qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi 60 ans après les indépendances, nous avons du mal à respecter de manière scrupuleuse les droits des citoyens? En réalité, ça, pour répondre à cette question, il faut relever ici l'emprise de l'exécutif sur l'ensemble de l'écosystème juridique en réalité. Pour répondre à cette question, celle de savoir si le respect des droits des Camerounais est un leurre, il faut corréler en réalité cette question à celle de la démocratie. Si on répond par l'affirmative que le respect des droits des Camerounais est une évidence dans ce pays, c'est qu'on est tacitement en train de dire qu'il y a
démocratie au Cameroun. Et si on dit c'est un leurre, ça veut dire que nous affirmons par ricochet que la démocratie de même dans ce pays, c'est un leurre. Parce que les deux sont en adéquation, les deux sont corrélés. Bien. Maintenant, qu'est-ce qui fait problème en réalité? Vous allez remarquer que il y a un écosystème juridique qui permet, en tout cas, quelqu'un le disait, sur le papier, de garantir à minima un certain nombre de droits aux Camerounais. Mais ça, nous le relevions, c'est sur le papier. Mais sauf que la protection dans le cadre de cet écosystème des droits des Camerounais est limitée. Au moins, on sait qu'en tant que justiciable, vos droits peuvent être défendus devant un tribunal à partir de lois qui existent. Maintenant, parlons de ces entités non juridictionnelles qui ont la charge de défendre les droits des Camerounais. Il y a le Conseil national de la communication pour ce qui est du droit à l'expression, la liberté d'expression, la liberté d'avoir ses opinions. Vous avez dit quoi? Le Conseil national de la communication. Qui défend quoi? Mais qui défend la liberté d'expression. Le Conseil national de la communication. Dans une certaine mesure, mais tout ce que le journaliste fait, c'est quoi? Vous dites qu'il devrait ou alors il défend. Vous voulez dire qu'il devrait non, ou alors il défend. Non, il défend, pardon. Désolé du conditionnel. Nous avons par exemple... Non, non, on se confond. Je dis ceci. L'instance en question a la charge de protéger la liberté d'expression, notamment dans le cadre de l'exercice du métier de communication et de journalisme. Évoluant. Voilà. Bien. Maintenant, donc, nous avons par exemple aussi la Commission nationale de défense des droits de l'homme, par exemple. Nous avons ELECAM qui doit garantir, parce que le droit au vote, hein, c'est aussi un droit fondamental qui est reconnu aux citoyens. Alors maintenant, vous allez remarquer que ces entités dont non juridictionnelles, en réalité, ont ce que j'appelle des tares. En réalité, on devrait les appeler comme ça. Parce qu'elles ont la charge de garantir, de préserver, de protéger les libertés, les droits d'un certain nombre d'entités ou de personnes. Mais vous allez remarquer qu'elles sont foncièrement liées à l'exécutif chez nous. C'est l'exécutif par décriture qui nomme la plupart du temps pour certaines de ces entités les responsables. Et il n'y a pas que cet aspect fonctionnel et directionnel, il y a l'aspect même financier. Vous allez remarquer que il y a une ligne du budget qui prévoit le financement de ces entités. Alors, ça pose donc la problématique de leur indépendance. Est-ce qu'elles peuvent efficacement réaliser les charges qui sont les leurs si déjà il y a cette espèce de dépendance avec l'exécutif, parce que la plupart du temps, lorsque vous nommez des gens, ils se croient quand même sur le plan mental, redevables d'une manière ou d'une autre, du fait que vous les ayez nommés, et maintenant, on tient toujours les gens avec la finance. La main qui donne et la main qui ordonne. Est-ce qu'on peut dire que ces entités donc non juridictionnelles pourront efficacement défendre les droits des Camerounais? Ça, c'est un aspect. Maintenant, il y a la problématique de l'assise nationale. Vous allez remarquer que les entités en question, c'est à peine si on peut les retrouver dans toutes les 10 régions. Est-ce qu'on les retrouve dans tous les départements? Nous avons combien d'arrondissements dans le pays? Est-ce qu'il y a des représentations, des sous-représentations, de sorte qu'il y ait cette espèce de relation de proximité avec le peuple camerounais à la base? Ça, vous allez voir qu'il y a aussi un problème à ce niveau. Il y a les problèmes logistiques et de ressources liés au fonctionnement même de ces entités. Elle le décrit tout le temps. Et vous voyez donc que si vous n'êtes donc pas opérationnel parce qu'on vous a garanti à minima un certain nombre d'éléments logistiques, d'éléments matériels, de ressources humaines, etc. pour être à même de faire correctement votre travail, vous n'allez pas pouvoir défendre les droits des Camerounais. Maintenant, il y a à la base maintenant aussi un autre problème. Il y a des problèmes culturels. Le fait que la plupart du temps, si vous allez par exemple dans le Nord, Cameroun, le Grand Nord, il y a les Lamido, il y a toute une organisation sociale qui est présente, et la plupart du temps, on ne revendique pas à la base. Il y a une relation de verticalité avec les masses, ça vient du haut, le Lamido décide avec ses collaborateurs les plus immédiats dans la pyramide sociale, et puis on repercute vers le bas. Toute velléité de réclamer, par exemple, un droit, n'est pas validé, je sais pas moi, ou un mouvement d'humeur revendicatif qui ne va pas dans le sens des prescriptions qui viennent du haut, de la hiérarchie, du lambda, etc. C'est fortement réprimé. Et on pourrait même vous exclure de la communauté. Tous ces éléments, par exemple, socioculturels, n'aident pas. Et puis, il y a des problématiques même déjà liées au niveau d'alphabétisation et d'élitisation dans notre société.
combien sont éduqués pour connaître leurs droits et pouvoir les défendre. Parce qu'il y a d'abord ça. Si vous n'avez même pas la bonne information, vous n'êtes pas éduqué sur le sujet, vous n'avez pas conscience que vous avez des droits, qui va vous aider à les défendre? Donc, il y a toutes ces problématiques, puisque vous demandiez que je chute, qu'il faut d'abord régler avant de parler même véritablement d'une prétention à défendre et à respecter le droit des Camerounais. Évidemment. Merci Alain Douk. Alors, Rodrigue, à chaque fois qu'on parlera des droits, en tout cas à mon niveau, on ne peut pas parler seulement des droits sans évoquer la question des devoirs. Est-ce que nous n'avons que des droits, mais zéro devoir? Il est difficile même de commencer à penser aux devoirs quand vous nourrissez en vous la frustration d'avoir vu vos droits bafoués. Et en ce moment-là, il est difficile qu'on fasse entendre raison à quelqu'un qui est dans une posture revendicative. Il est difficile de dire à la personne que tu as des devoirs. Et c'est ça qui donne l'impression que dans notre société, on observe de plus en plus une espèce de rébellion des citoyens. Parce qu'on passe beaucoup plus de temps à rappeler aux citoyens quels sont leurs devoirs. Et on parle très peu de leurs droits. C'est même ça la source des tensions et des frustrations dans notre pays. C'est pour ça que moi j'ai envie de revenir sur les droits. Allez-y. Je voudrais revenir sur les droits en m'intéressant par exemple au travail. Le secteur du travail de manière générale, tout cela est régulé. Tout cela est encadré par des textes de loi. Alors, c'est trop facile de se faire appeler patron au Cameroun, mais très difficile de l'assumer jusqu'au bout. Parce que quand vous avez un employé, il faut lui garantir, n'est-ce pas, toutes les conditions qui feront en sorte qu'il puisse vivre dignement comme un travailleur. Il y a notamment la CNPS, il y faut un médecin de travail, il faut. Combien de patrons d'entreprises respectent cela? Lorsqu'on a déjà parlé du travail, il y a le droit au salaire. Monsieur Parfait ici, ça veut dire que lorsque vous avez déjà travaillé, vous avez légitimement et légalement droit à un salaire. Mais il y a des entreprises là-dehors. On parle même de salaire décent. De salaire décent. Mais il y a des entreprises là-dehors où vous vous demandez quel est le type de miracle qui fait vivre les employés qui peuvent être là 3-4 mois. Monsieur Parfait ici, voici un Camerounais qui a aligné 22 mois sans salaire. On l'appelle Dibongo Edimo Achille Junior. Je vous ai dit que c'était lui l'ancien régisseur de l'hôpital de district d'Mfou. Un fonctionnaire, vous voyez, monsieur Nasseri Polbea, il dit quoi? Il dit ici, le sieur Dibongo Achille Edimo Achille Junior étant par ailleurs à 17 mois, là c'était à l'époque, quand le gouverneur écrivait, on est un peu plus de 22 mois, étant à 17 mois de salaire impayé, ce qui visiblement s'avère être sinistrant pour un agent de l'État. C'est le gouverneur qui le dit. Là, c'est bien écrit Nasseri Paul Béa, administrateur civil principal hors échelle. Il ne s'adresse à qui? Il s'adresse à monsieur le préfet du département de la Mofou et à Famba, qui connaît parfaitement le dossier. Au-delà de monsieur Dibongo Achille Junior, vous avez tout ce personnel-là qui a droit aux côtes-parts. Les côtes-parts, justement, c'est... Vous voulez dire qu'à ce niveau, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école. Les droits c'est des citoyens sont bafoués. C'est une illustration parfaite de ma réponse à votre question. Est-ce que c'est un leur? Oui. Parce que quand un personnel de santé allait d'ailleurs questionner quelle est la consistance, le poids même du salaire de nos personnels de santé au niveau des formations sanitaires, Dieu seul sait. Mais pour joindre les deux bouts, pour équilibrer un peu ces finances-là, il faut par exemple des quotes-parts. Et puis l'individu, parce que les parents ministres, ils bloquent ces avantages pendant pratiquement 2 ans. Mais entre-temps, les autres doivent travailler. Entre-temps, les autres doivent remplir le devoir.
Entre-temps, les autres doivent rester fidèles à l'administration. Mais attendez, c'est même pour ça que de manière générale, vous trouvez des fonctionnaires qui sont véreux, vous trouvez des fonctionnaires qui sont corrompus, vous trouvez des gens, en réalité, qui sont absentéistes, même si on viendra demander. Si nous n'allons pas encourager l'absentéisme. Non, je suis en train de vous présenter des conséquences logiques. Très qui suivent ce mode de gouvernement. Vous avez Rodrigue. Pour dire qu'il est vrai, nous sommes, comme Bleureux l'a dit, dans des discours et autres textes, en état de droit de manière globale, mais le terrain de la réalité est tout simplement effrayant. Alors, on va lire quelques messages là. Ça, c'est un message qui vient des États-Unis où le monsieur dit, je dis, j'ai coupé mon sommeil pour suivre l'émission en direct, mais la connexion me laisse au carrefour Ndokoti, ouais, Mbale. Pardon, il faut faire quelque chose. Allez, en tout cas, je vous aime et vos beaux costumes, toi et mon cher Blériot. Bonne émission et bonne journée. C'est Alice et Saka depuis les États-Unis. Oh, Alice, vraiment, toutes nos excuses. Hein. Ah bon? Ouais. D'accord. Autre message ce matin. Salut à tous les membres du panel. Pour le thème du jour, je pense d'abord qu'il est important qu'un citoyen connaisse ses devoirs vis-à-vis de l'État. C'est un peu facile de toujours jeter la faute à l'État, alors que la plupart des citoyens manquent à leurs devoirs. Autre message ce jour. Alors, quelqu'un écrit ici. Objet, demande de renseignement sur l'opportunité universitaire à Yaoundé via Renaprov. Bonjour, je m'appelle... Alors, vous êtes étudiante de banque et finance à Douala. Je pense que nous n'allons pas lire ce message, ce genre de message à l'antenne. Hein. On a donné le contact tout à l'heure. Donc, essayez d'appeler et vous aurez toutes les informations. Autre message ce jour. Nous prenons rapidement celui-ci. Bonjour, monsieur Parfait Haïti et à ton panel. Demandez à monsieur Stéphane s'il a eu à fréquenter la Rosière Collège de Damas. Il ressemble à mon ancien camarade. Bon, malheureusement, Stéphane est déjà parti. Hein. Lorsqu'il reviendra, je vais lui poser la question. Enfin, merci d'avoir lu mon message. El Perfecto, c'est Mohamed de l'Omnisport qui envoie le message. Je pense que Mohamed, tu vas fêter cela. Autre message. Bonjour Parfait et à tout ton panel. Ce problème concerne tous les hôpitaux du Cameroun. Allez à l'hôpital, pour le confirmer. Je pense que nous allons mener une vaste enquête au niveau de nos hôpitaux, hein, concernant ces choses-là, comment les quotes-parts sont distribués, comment se porte le personnel soignant, est-ce qu'il travaille dans des bonnes conditions, est-ce que leurs droits sont respectés. Ah, oui. Nous allons mener une grande enquête. Et maintenant, que fait la hiérarchie? Et quand on parle de hiérarchie, on voit de qui les questions. Monsieur Haïti, s'il vous plaît, l'homme avec le chapeau rouge peut nous dire si en démocratie, c'est quoi? C'est droit avant devoir ou droit après devoir ou enfin droit au même moment que devoir. Alors, on reprend. Le monsieur en chapeau, soyez attentif. Est-ce que en démocratie, c'est droit avant devoir ou de droit après devoir puisque... ou enfin droit au même moment que le devoir? Non, puisque rien de tout cela. Pour les techniciens sont là. Il y a certains droits qui précèdent certains devoirs. Par exemple, le droit à l'éducation, le droit à la santé. En fait, ils ne sont pas liés de cette façon-là, je crois. C'est droit plus devoir égale responsabilité. Donc. Droit plus devoir égale responsabilité. Parce que c'est quand vous avez votre droit, que vos devoirs sont respectés, que vous êtes capable de répondre des faits que vous posez. Et avec votre permission parfaite, allez-y. Parlant de l'état de droit. Vous voyez, on ne peut pas parler d'état de droit lorsque la légalité a perdu la légitimité. Vous voyez, il y a quelques semaines sur ce plateau, on débattait des anciens qui volent le ballon.
On a prévu les élections législatives et municipales. C'est le droit du citoyen de choisir ses élus au temps indiqué conformément aux précédentes élections. Il faut peut-être revenir sur cet élément-là, cher René, c'est très important. Je dis que... C'est-à-dire le droit... Le droit au vote. À la légitimité. Je dis que le droit à ce que la légalité voilà. soit dans la légitimité. Il n'est pas normal. Ce sont des indicateurs qui créent toutes les situations que nous avons. Vous ne pouvez pas être élu en 2020. Une élection est prévue en 2025. À l'heure où vous commencez à mourir au terrain, vous changez, vous récupérez le ballon, vous confisquez. Vous violez là les droits du citoyen à choisir qui il veut au moment. Dans nos villages, les patrons imposent des maires. C'est ce qu'il faut dire en français simple. C'est-à-dire des individus que le peuple ne veut pas. On les leur impose, c'est ce que vous avez dit. Moi, j'ai un souci et même une peur en même temps. Je ne voudrais pas politiser cette problématique. Non. Parce que si vous la politisez, ça risquera d'aller dans tous les sens. Parce que, attendez, Dieu donné, calme-toi. Je suis posé. Parce que il y a un souci. Vous prenez cet aspect qui a voulu qu'on puisse proroger le mandat des députés et des conseillers municipaux. C'est ça? Je vais y arriver. Attends d'abord, on va doucement. Bien évidemment. C'est la problématique que vous êtes en train de poser. Non. Et vous estimez que les vieux ont confisqué le ballon. Pas les vieux. Pas les vieux. C'est qui? Certains citoyens qui ont été élus. Oui. Vous savez, la formule des anciens et des jeunes, moi, j'aime pas ça. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays avec une classe d'âge. Donc, du coup, c'est le droit du citoyen de voir que dans ceux qui disent réclamer la légalité, qu'il y a la légitimité. Parce que si vous avez la légalité, sa légitimité, vous ne tenez pas. Il y a aussi un autre droit. Le droit de voir. On n'a pas d'abord fini. Oui, j'ai dit. On n'a pas d'abord fini sur l'aspect-là. Oui. On a prorogé le mandat des députés et des conseils municipaux. C'est prévu par la loi ou non? Je sais pourquoi je dis c'est prévu par la légalité, mais à partir du moment où vous avez prorogé que la grande majorité du peuple. Vous avez fait un sondage? Oh, parfait. Parfait. Nous écoutons le pouls profond du peuple. Ailleurs, hein, pour faire peut-être court. Ailleurs, parfait, même quand la loi prévoit quelque chose, on passe par des consultations populaires. Oui. On dit on veut proroger. On que prévoit la loi camerounaise? Non, je dis... Il y a un flou au niveau de la loi. Non, la loi donne ce pouvoir. Maintenant, si la loi donne déjà ce pouvoir, qu'est-ce que le principe de droit dit? Dura lex... Non, parfait. La loi est dure. Non, mais c'est la loi. Il faut faire attention sur le régime de la légalité chez nous. Il faut faire attention. La loi, qui nous impose la loi? Est de la volonté de qui? La loi est la volonté d'un groupe. Du coup, votre affaire, la dure, Alex, on peut, quelque chose peut aussi être dur, plus que la loi. Non, il faut arrêter ça. Ce sont des menaces. Je préfère te dire ça comme ça. Parce que dure, Alex. Il y a des gens que. Non! On consulte le peuple pour lui dire de non. Oui. Tant que la loi existe, nous devons la respecter ou pas. Parfait. Je vais vous répondre. Socrate disait que obéir aux lois injustes est injuste. Oui. Mais maintenant, ça dépend de ce que lui l'entendait. Bon, moi, je vous ai dit ce que Socrate. Bon, on va se faire passer des barres. Parfait. Oui. Je voudrais insister là-dessus. Oui. Il y a, quand vous avez la légalité sans la légitimité, c'est comme un roi sans fauteuil. Et sachez que il y a une formule qui est assez simple. Tout ce qui est debout, qui finit par tomber, c'est parce qu'il n'y a pas le fauteuil. Parce que si vous avez le fauteuil, vous ne pouvez pas tomber. Nous, ah, c'est mon principe. Hein. Et alors, donc, faut me citer. Voilà. Et donc, tout ce qui est debout finit par tomber. On parle des droits ici. Il y a aussi le droit. Il y a aussi le droit pour les OPJ. Oui. Qui doivent faire des sacrifices, faire des déferlements sur 180 km, de recevoir leurs frais de mission. Des ordres, voir les ordres de mission payés. Il y en a qui, depuis 4 ans, 5 ans, n'ont pas reçu les frais de mission. Et c'est un souci assez important, qui ont même déjà été affectés dans d'autres régions, mais qui... attendent toujours de recevoir leurs frais. Très bien. Donc, c'est aussi le droit... Oui, vous allez chuter... C'est aussi le droit que les frais de mission de ceux à qui on demande l'assiduité au travail puissent recevoir les frais de mission en temps... opportun. C'est quelque chose d'assez important.
Merci. Alain Douk, au moment où nous parlons du respect des droits des citoyens, si jamais vous avez la nette impression que vos droits sont piétinés, pour ne pas dire bafoués, que devons-nous faire? Bien. Déjà, il faut déjà avoir connaissance que vos droits sont bafoués. Et si vous en avez connaissance, il y a des voies de recours. Il y a des entités juridictionnelles qui vont dire le droit, s'il existe sur le sujet, par rapport à, au problème, à la tout difficulté à que vous rencontrez. Bien, maintenant, il faut aussi connaître, donc, c'est possible, hein, parce que les tribunaux existent, il y a les auxiliaires de justice, là, qu'on connaît habituellement, qui sont la police nationale et la gendarmerie, etc. Donc, il faut déjà aller se plaindre, il faut dénoncer, chose que parfois des gens n'ont pas le courage de faire. Donc, il faut le faire. Et maintenant, vous pensez qu'il faut avoir la culture de la dénonciation? Oui, il faut avoir cette culture. Il faut avoir la culture d'aller au tribunal. Et pourquoi les gens n'ont pas le courage de le faire? C'est parce qu'il y a notre droit qui est bafoué. Aller à la gendarmerie, porter plainte. Est-ce qu'à un moment donné, Alain Douk, les gens ne sont pas découragés parce que quelqu'un te dira « mes droits ont été bafoués ». On m'a fait ça, j'ai porté plainte à la gendarmerie ou bien au commissariat. Et le lendemain, j'ai vu que le monsieur qui m'avait abusé est devenu l'ami de l'enquêteur. Il buvait même devant moi. Et voilà. L'enquêteur m'a dit que mon frère, il faut respecter les grands. Voilà donc pourquoi c'est un leurre chez nous de parler du respect du droit des citoyens. Parce que justement, il faut prendre en compte un certain nombre de choses liées à la façon dont nous sommes gouvernés, les réalités sociopolitiques, la corruption qui fait énormément de mal et à tous les niveaux. Voilà, c'est-à-dire que finalement l'État, donc un État mou et un État corrompu, qui ne permet donc pas aux justiciables de se faire rendre justice comme il se doit. Or, le droit à la justice est un droit fondamental de la personne humaine, il faut qu'on se le dise. Maintenant, il faut être capable aussi d'aller auprès des entités que j'ai citées lors de ma première prise de parole sur le sujet, des entités donc non juridictionnelles aussi, qui ont la charge de régler, hein, ou alors de porter votre voix à un certain niveau lorsque vous avez rencontré des frustrations ou vous êtes victime des violations de vos droits. Mais il faut ici dire qu'on a un problème au Cameroun au sujet de ces entités non juridictionnelles. Pourquoi? Parce qu'elles-mêmes sont en retrait, outre l'État et les difficultés que j'ai présentées précédemment, elles n'aiment pas, on a comme l'impression qu'elles n'aiment pas trop se faire visibiliser. Oui, par exemple le rapport média, est-ce que vous voyez véritablement ces entités en train de harceler les médias, faire en réalité tout pour être présent, connu sur les médias, pour porter la voix de ces gens qui sont sans voix et qui sont victimes de ces violations que nous décrions ici chaque jour, les violations des droits des Camerounais, etc. Vous allez voir que c'est vrai qu'ils n'ont pas de prérogatives coercitives, c'est vrai, mais ils devraient donc instrumentaliser donc maintenant la communication, être présent dans les médias pour porter la voix de ces gens qui ont besoin véritablement que leurs problèmes soient présentés, dénoncés et que l'on sache que les droits des Camerounais sont violés. Pierre Blériot, Niamek, au niveau de la célèbre charte des Nations Unies parlant du respect des droits de l'homme, il est écrit, j'ai failli dire en gras, que tous les êtres humains sont égaux en droit et en devoir. Oui, autre leurre encore? Bon, pas un leurre. Un leurre, c'est un bon mot. Un gros mensonge, Ouais, moi, je voulais vous faire remarquer quelque chose, Papa. Si vous avez trop parlé de l'égalité. Oui. Quand l'État est trop fort, il écrase les citoyens. Et vous le subissez déjà dans votre corps de métier. Tout à fait. Comment est-ce qu'on devrait organiser le corps de la communication pour que les communicateurs ne sentent pas qu'une épée de Damoclès pèse sur eux? Ailleurs, c'est les pairs qui entretiennent la... Vous voyez? Moi, j'invite les journalistes à devenir un autre. Comme les médecins, comme les avocats, les architectes. Vous devez devenir un autre. Pour que vous ne soyez plus gouverné de l'extérieur. Pour qu'on ne vous sorte plus des organes qui vous répriment. Vous savez, pour réprimer un avocat, tout ce qu'il faut faire dans ce pays. Mais l'ordre protège d'abord l'avocat. Bien évidemment. Vous comprenez ça? Mais donc, trop de force de l'État
opprime les citoyens. Nous, on n'a que les devoirs. Les devoirs. Paye ta carte dentaire. Fais ceci, fais cela. Si ne fais pas, on va t'arrêter. Quand vous regardez, on a une situation aujourd'hui. J'ai parlé des autres corps. Je vous parle d'un autre brigandage. Vous avez les gars des services de transport qui s'habillent en chasuble. Je sais pas, jour. La prévention routière. Mais qu'est-ce que ces bandits ils ont le kabongondo. Font sur nos chaussées en se comportant comme des agents de police judiciaire, en prenant les documents des véhicules. Hein. Qu'est-ce qu'ils font là? Est-ce que c'est une façon pour le ministre de leur trouver de l'emploi? Mais ils sont là systématiquement. On voit, nous sommes Camerounais, pour prendre de l'argent aux citoyens. Mais on est trop pressé. Il y a trop. Libérez un peu d'énergie, on veut respirer. On veut respirer. C'est-à-dire, on nous presse ici, on nous presse là. C'est terrible quand même. Libérez un peu. Enlevez-nous tous ces voyous-là. Très bien. Il faut dire, sous le contrôle du juriste, qu'en réalité, là où le bas blesse dans notre pays, c'est que le respect des droits des citoyens camerounais n'est pas un absolu. Parce que la Constitution elle-même dispose qu'en des circonstances particulières, on peut faire un biais. On peut faire des petits biais, c'est-à-dire qu'on peut... Je vous arrête là-dessus parce que... Vous ne pourrez pas en certaines circonstances parler comme vous voulez. L'article 277, je crois l'article 6, alinéa 6, dispose que aucune circonstance exceptionnelle, même pas l'état de guerre ou l'ordre d'un super hiérarchique, ne peut justifier la violation des droits bien des tortures et autres. Donc, du coup, il n'y a pas de moment où on met liberté en parenthèse. Et je voulais chuter là-dessus parce que... Allons-y. Il faut ramener les tribunaux administratifs dans les départements pour que mon frère de Tekel, mon frère de Mvundu, le Mangasina, puisse partir facilement du côté de Ntui, avoir un tribunal administratif qui peut sanctionner un tribunal administratif. Est-ce que c'est ça le problème? On peut même mettre les tribunaux administratifs dans tous les quartiers. Est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème? Parfait, limiter les délais d'instruction des affaires. Oui, c'est déjà bon le problème que vous posez. Mais ce qui est encore meilleur est que lorsque vous avez justement porté plainte auprès de ces tribunaux... Mais vous savez comment le tribunal administratif a fait sans fonctionner? Parfait. Avec voilà, vous. Comme moi je n'ai pas réagi. Moi, je voudrais dire que ça ne sert à rien que dans le discours des aînés, des hautes personnalités, demandent au peuple de faire confiance aux institutions. Lorsque vous émettez derrière cette demande, ça veut dire que vous vous reprochez de beaucoup de choses. Ce sont des actions fortes qui traduisent la présence, l'omniprésence dans la vie, l'omniprésence de l'État dans la vie du citoyen. C'est ça qui met le citoyen en confiance. C'est-à-dire que vous êtes malade, vous soignez. Vous portez plainte, on répond. Vous avez besoin de tel ou tel autre service, vous accédez aisément à ce service-là. C'est ça qui va conduire le citoyen au niveau de son esprit à faire confiance aux institutions. Mais maintenant, si nous retrouvons dans des... Parce que quand on écoute parfois le premier président de la Cour suprême et tout, qui parle de justice populaire, dénonce tout cela et tout. Mais je voudrais dire que moi, régulièrement, moi, je ne porte pas assez plainte. J'aime tellement voyager pour le village. Vous voyez un tout petit peu? Voilà, parce que quand vous avez votre ami qui est procureur, vous avez un OPJ qui vous auditionne et qui parle avec le plaignant, ou alors qui parle avec l'accusé, vous avez en face de vous des gens qui sont capables de vous jeter en prison à cause de votre terrain. Mais lorsque ça se passe comme ça... Vous partez au village. Je pars au village. Il y a quoi au village? Posez deux ou trois petites questions aux ancêtres. Est-ce qu'on peut faire ça à votre enfant? Et vous regardez, vous ne faites rien. Parfait. Merci. Hein. Non, c'est terminé. C'est terminé, Alain Doc. On dira merci à tous ceux qui nous ont regardé ce matin, tout en martelant que vous ne perdez rien en allant du côté de Mbankomo, où justement la semaine de l'excellence scolaire et entrepreneuriale se poursuit. Ce matin, c'était le début des ateliers de formation, ateliers dédiés aux femmes, ateliers dédiés aux jeunes et toutes les autres populations
Demain, ce sera le match d'exhibition en journée et en soirée. Une grande soirée justement de gala, une soirée culturelle avec plusieurs articulations. Et on terminera samedi prochain, c'est-à-dire dans deux jours, avec la course VTT qui débutera à partir de 7h du matin avec le lancement de Madame le Préfet de la Mofouer-Conon. Et à partir de 11h, sous la supervision de Monsieur le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Monsieur Gaston et Luno Somba, on assistera donc à la remise des bourses d'excellence à tous les meilleurs élèves du département de la Mofo et à Conon. Merci à Dieudonné Tédissé, merci également à Alain Douc, merci à Pierre Blériot, merci à Rodrigue Adalbert. Ne ratez pas le journal de la mi-journée dans pratiquement 6 minutes. Une question avant de partir avec tout ceci.